Le chef est trop bon. Mais on va aller vite. Hein. Quand on va aller vite, dès qu'on arrive, on commence en même temps. D'accord, chef. Hein? Voilà. Thierry. Oui. Bonjour, où va-t-il? Ah, tu vois, ouais. Il n'est pas au courant. mon petit, ouais. On se va travailler. Oui, oui. Travailler. Ouais, on se va travailler pour le pays. Aïe. Ouais. Vous n'avez pas compris ce que le chef dit. Non, en fait, je ne comprends pas voilà. Tout. Le chef que vous voyez là, il vient de vous faire comprendre que le pays est trop coincé. Voilà. Donc, on va travailler pour agrandir le pays. Ça va élargir le pays. Voilà. Élargir le pays. Oui. Augmenter la superficie du pays. Voilà. La superficie du pays là, c'est combien? 322 462 km². Depuis qu'on dit le pays est le pays là, c'est même superficie là. Ça n'augmente pas. Pourquoi? Hein? Tout augmente dans le pays. Mais pourquoi la superficie n'augmente pas? Riz a augmenté, viande a augmenté, carburant a augmenté, même courant augmenté. A augmenté. Et la superficie. Il fallait quelqu'un qui prenne la responsabilité d'augmenter la superficie du pays. Et c'est nous deux. Voilà. On a décidé d'aller voir les voisins. Comme ça, ils vont laisser un peu d'espace. Nous, on va prendre pour compléter le pays. Voilà. Parce que tu sais, 322 462 km², on est combien d'habitants? Ah. On est 30 millions d'habitants. Tu vois? Sur petit espace comme ça. C'est pas normal. On est coincé. Oui. Actuellement, là, tu vois, il y a embouteillage de voitures. Ça veut dire que bientôt, si on ne fait pas attention, il va y avoir embouteillage d'hommes. Alors que eux, là, ils sont pas beaucoup. Et puis, ils sont petits sur leur espace. Ils flottent comme ça. Il y a un pays, là. Eux, ils sont 1 400 000. Et puis, ils sont seulement 22 millions. Tu vois, quand on calcule la densité, ça fait 11 habitants au kilomètre carré. Or, nous, on est 91 habitants au kilomètre carré. C'est pas bon. Tu vois comment ça devient compliqué? Ouais. C'est pas bon ça. Donc, nous, on allait les voir. De toutes les façons, eux-mêmes, ils sont déjà ici. Donc, s'ils complètent là, c'est comme si c'est pour nous tous. Ouais, ouais. On a décidé d'aller les voir. Ouais, ouais. Ils vont céder un peu de leur espace. Ouais. On complète voilà. Notre pays. Et puis, ce qui va faciliter la fluidité des biens et des personnes. Voilà, c'est ça. Donc si je comprends bien, vous partez demander aux voisins de céder un peu, un peu. Comprends vite ce gars-là. On va agrandir la superficie voilà. Du pays. Maintenant, quelle pioche tu as? Chacun joue là, dans ça là. Tu vois, on doit tout lui expliquer. Il est curieux, hein? Ce monsieur. Tu sais, mon petit, ouais. Nous, on est comme des Babylonais. Oui. Tu vois un peu? Ouais. Voilà. Babylone, là, quand il vient séparer Palab en Afrique, là, normalement Palab, c'est parole, oui. Négociation, oui. Discussion. Oui. Mais quand ils viennent là, ils viennent avec équipement. Oui, oui. Ils viennent avec les pelleteuses, les tracteurs, les bouclins, oui, oui. les bulldozers, oui, oui. Les caterpillars, oui, oui. Les fourchettes. Tu comprends un peu? Oui. Et vous devez dire que les six sont les très riches. Voilà. Alors, allons-y, faut pas ça perdre le temps. Hein? On a du boulot là. Et même très riche. Oh, ouais. Le sous-sol est très riche. Et très riche. Hein? Il faut retenir ça. Oui, riche. Est-ce que cela ça va chez eux? C'est quel pays qui va accepter prendre une partie de leurs terres pour vous donner pour compléter votre pays? Les deux, la Wallet, ils sont fous. Ça, c'est fou. Voilà! Maintenant, télécharge l'application OneXBet et inscris-toi avec mon code promo AGALA225 pour bénéficier de 200% de bonus dès ton premier rechargement. Voilà. Je vous embrosse.